C'est une question de vision. Et la vision, au moins, on ne peut pas me l'enlever. Nous ne demanderons jamais pardon. Nous avons une institution. Vous ne pouvez jamais organiser un événement en tant qu'institution. Calmez-vous. Vous ne pouvez jamais organiser un événement où autant de personnes ensemble vont être réunies. Mais nous avons besoin de votre soutien étatique et on en a besoin. Parce qu'ils ne donnent pas, je vais donner. Et c'est pas je vais en groupe. Et il faut que ce soit su et connu. Nous n'avons jamais eu 100 millions d'investissements. Nous n'avons jamais eu. Et ça, je le dis, et puis à l'honnêteté. Et je sais que, et mon sponsor aussi sait que, s'ils avaient donné, s'ils n'avaient pas donné, cette année, je le refais. Voilà, moi j'ai une petite question pour terminer rapidement. Oui. Vous avez tout à l'heure dit que les artistes sont informés au minimum 4 jours en avance. Mais Ibawan, c'est son manager qui vous a contacté. Ça veut dire qu'il a été nominé sans être informé? Ibawan, il a été informé depuis une semaine. Maintenant, nous ne sommes pas responsables de quand le manager reçoit et quand il ne reçoit pas. Il faut être un peu honnête. Et puis, en fait, même si moi, aujourd'hui, je vous dis par rapport à Ibawan, je ne suis pas honnête. Parce que je ne peux pas être honnête. Moi, je suis arrivé jeudi à Abidjan. Je n'ai pas la gestion de l'organisation technique qui est nominée, qui n'est pas nominée. Parce que je sais, en âme et conscience, que je ne peux pas être objectif. Et donc, je n'ai pas voulu participer à cela depuis. À ce moment-là, l'année dernière, il y a eu une voiture qui a été mise à compétition cette année. Quel sera le plus grand prix que vous promettez au... Le plus grand prix, c'est une maison. Et on le dit, et on le dit devant tous les médias, c'est une maison. On n'a pas eu de soutien étatique. On n'a rien eu. On n'a pas de soutien. Quand ils nous proposent quelque chose, ils disent non, c'est 40, 50 millions. On vous diminue 15%. Vous avez un peu fait 35 millions. Je n'ai même pas 100 millions, je n'ai même pas 70 millions de sponsors. Et tout ça, c'est financé avec votre propre argent. C'est financé avec mon propre argent parce que, et c'est financé intelligemment, parce que nous, on se dit que si on finance qu'une activité bâche, les concerts et les sponsors, ils nous font confiance pour nous confier d'autres activités. Nous gagnons la WAD. Tribune, ce n'est pas une activité rentable. Il faut que tout le monde sache. Et puis, je ne suis pas en train de même parler à quelqu'un. Celui qui veut participer, il participe. Celui qui ne veut pas participer, il ne participe pas. Et je le dis, et je le dis dans plusieurs autres actions et activités. On n'a pas besoin, et honnêtement, je ne demanderai jamais pardon à quelqu'un de participer à une activation qui fait en sorte que son pays soit devant. Parce que dans l'Afrique, quand tu parles, faut avoir honte. Faut avoir honte de dire que, par exemple, pas honte de demander un Congolais, un Béninois, un machin, qu'est-ce que tu fais pour moi? Faut avoir honte de dire à un Ivoirien qui fait en sorte que tu aies de la visibilité. Parce que quand ils ont eu toute la visibilité, ils n'ont aucun média. C'est moi qui mène les discussions. Et moi, je le dis dans mes yeux. Je n'ai même pas la discussion à un enfant. Ou deux enfants, ou trois enfants. Je mets les histoires des gros médias, des médias internationaux, de telle sorte qu'il y ait de la visibilité. Et je ne peux pas parler parce que je suis obligé de m'agenouiller parce que j'ai besoin de leur visibilité pour apporter quelque chose aux enfants qui sont dans ce pays. Merci. Et Dieu, merci. Merci. Si tu ne passes pas, il y a les enfants qui montent. Merci. Merci.